Genèse, chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut, après la naissance d'Enoch, 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut, après la naissance de Kenan, 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaleel. Kenan vécut, après la naissance de Mahalaleel, 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalaleel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalaleel vécut, après la naissance de Jéred, 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalaleel furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut, après la naissance d'Enoch, 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Methuselah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Methuselah vécut, après la naissance de Lémec, 782 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methuselah furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut, après la naissance de Noé, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth.